Bonjour, c'est Philippe. Alors, je vous propose une série là pendant quelques jours de tirage d'énergie autour de l'argent. On va voir ce que c'est, on va voir ce que ça va donner. C'est expérimental. Donc là, voilà, premier jour de tirage d'énergie de l'argent. Tirer l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est simplement inviter l'énergie à venir en soi. Et d'ailleurs, il y a un truc très intéressant à ce sujet, c'est que je pensais que c'était quelque chose qui se trouvait que chez Access Consciousness. Et l'autre fois, je relisais un livre sur la magie, un livre de Franz Bardon. Et en fait, il appelait pas ça tirage d'énergie, mais c'était exactement la même chose. En fait, il invitait la lumière blanche dans sa vie. Donc en fait, ça revient exactement au même. Donc si vous êtes prêt, on va le faire. Vous pouvez le faire n'importe où. Peut-être pas si vous conduisez ou si vous utilisez une machine. Salut Pierre. Peut-être pas si vous utilisez une machine, mais sinon vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux. Vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie, mais vous n'êtes vraiment pas obligé. Ce que je vous invite à faire, c'est que vous avez sans doute des résistances par rapport à ça, tirer l'énergie, parce que c'est pas un truc qu'on a l'habitude de faire. Donc, si vous avez des résistances, des choses qui vous bloquent, des barrières par exemple, eh bien, vous simplement vous demandez à dissiper toutes ces résistances, toutes ces barrières. Voilà, juste pour recevoir, pour participer à l'expérience. On baisse nos barrières, nos résistances, voilà, on demande à les dissiper. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va sentir son corps, voilà, toutes les parties de son corps. On demande à sentir bonjour de sourire. On demande à sentir ses mains, voilà, ses mains, sa tête, hop, tout, voilà, les pieds, voilà. Voilà, maintenant je sens mon corps, je sens bien mon corps. Et maintenant, on va s'expanser, c'est-à-dire qu'on est des êtres, mais on n'est pas juste, on a un corps là, ok, mais on n'est pas juste des êtres avec des corps, on est des êtres qui vont bien au-delà de cela. Donc on va demander à s'expanser, donc c'est-à-dire à sentir qu'on est autre chose, qu'on n'est pas juste ce corps. On s'expanse dans toutes les directions, dans toutes les directions. On s'expanse, voilà, on s'expanse encore, on s'expanse vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite, et on continue à s'expanser tout le temps, tout le temps. Si jamais il y a des résistances aussi qui arrivent, pareil, on demande à ce que ces résistances, elles s'en aillent. Voilà, on les Moi, je demande à souffler sur ces résistances. Voilà, je demande à ces résistances de s'en aller. Ok, maintenant, on va commencer à inviter l'énergie. On va tirer l'énergie en nous. Donc, on demande juste comme ça et ça se produit. Donc, on demande à cette énergie de venir en nous. On tire l'énergie en nous. L'énergie de l'argent. On va demander à financier. Voilà, on demande ça. On demande à ce que cette énergie-là, elle arrive en nous. Voilà, on tire cette énergie. Alors, si on ne sait pas trop ce que ça veut dire tirer l'énergie, on peut juste imaginer que c'est une lumière blanche bienveillante, un peu comme la lumière du arrive depuis le haut, depuis le bas, depuis la gauche, depuis la droite. Et on la tire dans toutes les directions, on la tire en nous. Toutes les directions. Et moi, je rajoute aussi toutes les dimensions. Parce que le présent, le passé, tout ça, c'est pas. On a l'impression que c'est linéaire, vu de notre point de vue, notre réalité, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc, on tire l'énergie de toutes les directions en nous, on tire cette énergie-là. On tire cette énergie-là en nous, voilà. Peut-être qu'on sent quelque chose, peut-être qu'on sent rien, mais de toute façon, ça se produit. On continue à tirer cette énergie. On tire cette énergie en nous, voilà. On tire l'énergie. Et on va la collecter à notre cœur. Notre cœur, c'est l'un des organes qu'on a qui est le plus puissant, qui vibre et qui permet d'actualiser nos créations. Donc on demande à ce que cette énergie-là, cette énergie d'argent, dans toutes les directions. Énergie, on tire, on continue à tirer, on demande à tirer ou à inspirer. Il y a des gens des fois qui me disent, ah, mais moi j'aime pas tirer l'énergie, j'ai l'impression de prendre l'énergie. Alors
on inspire la lumière. On peut dire ça, c'est pareil, c'est la même chose. On inspire la lumière de l'argent, on inspire la lumière en nous, à travers nous, dans toutes les directions, dans toutes les dimensions. On inspire cette énergie-là, on inspire ça, on inspire ça, on inspire ça, on inspire cette lumière. À travers tous nos flux financiers, on continue à inspirer. On inspire cette lumière en nous, en nous, en nous. On inspire cette lumière, cette énergie d'abondance, cette énergie de lumière, tous ces flux-là. Et moi, je sens que j'ai mon corps qui pétille dans tous les sens. C'est pas pour vous, mais en tout cas, voilà. Je sens que cette lumière, cette énergie, elle circule en moi. Voilà, on continue, on continue, on continue. Et on va maintenant envoyer des petits filets d'énergie, des petits filaments de lumière dans toutes les directions, vers toutes les personnes qui peuvent contribuer à cela, vers tout ce qui peut contribuer à cela, vers toutes les situations qui peuvent contribuer à cela. Voilà, on envoie des petits filets de lumière. Et on demande que lorsque ces choses, ces personnes, ces entités, ces situations, ces lieux se présentent dans nos vies, on demande à ce moment-là d'équilibrer les flux d'énergie. On demande, voilà, que les flux d'énergie s'équilibrent pour que ces lieux, ces entités, ces personnes, ces situations se connectent à nous et que ce soit encore plus facile. Voilà. Voilà, ben je pense que pour aujourd'hui, voilà, je suis content de partager avec vous ce petit outil magique. Si j'ai une boutique qui s'appelle Créer ma réalité, c'est un site web où il y a plein d'articles et puis aussi une boutique, donc créermaréalité.fr. Et dedans, j'ai mis comme ça, j'ai appelé ça des méditations guidées ou des méditations magiques. Et ben, c'est un peu le même style. Donc, ben, évidemment, c'est plus abouti. Vous pouvez, si ça vous dit, vous pouvez regarder. Voilà, c'est intéressant parce que comme ça, vous pouvez la faire à n'importe quel moment. Et puis, je vous dis, je vous donne rendez-vous à bientôt et on refera un autre tirage d'énergie. Ok? Et puis, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez ressenti des choses, comment ça s'est passé pour vous. Et puis, et si vous voulez que je fasse un tirage d'énergie sur un thème particulier aussi, vous me le dites et on fera ça. Allez, bisous et puis à bientôt. C'était Philippe.